Et les voilà partis pour cette dernière épreuve hors pari mutuel. On se dirige tout de suite vers la première difficulté du parcours. Golden Dumen, Charles Tarragon qui s'est emparé du commandement. On vient également avec Loesa Ayerfoucher en seconde position impériale Fighter. On est en troisième position avec Interton Schimpmunk et Valentin Leclerc. Concurrents vont aborder le premier tournant avec Charlotte Aragon, Valentin Leclerc à peu près dans 7 heures, Léane David en troisième position avec Loesa Ayerfouchard qui est à l'extérieur avec également dans leur sillage pour l'instant. On retrouve également côté corde Titouan Sporli. Concurrents sont dans la ligne opposée, toujours à peu près les mêmes avec Charlotte Aragon, Loesa Ayer Fouchard est en seconde position à l'extérieur. Léane David est bien calé côté corde. Il précède Charles Clayeux qui est à sa hauteur à l'extérieur également. Concurrents vont aborder le tournant dans quelques instants avec Charles Aragon qui emmène toujours le peloton alors qu'il y a une chute dans le tournant. Chute de Charles Clayeux. Concurrents sont maintenant au début de la ligne droite, toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire Charles de Tarragon qui emmène le peloton avec un très léger avantage. Loesa Ayerfouchard en seconde position qui précède Léane David en troisième position. Grosse faute et chute de Charles de Tarragon. Les concurrents se dirigent maintenant vers le passage devant les tribunes avec Loesa Ayerfouchard qui s'est emparée du commandement. Un très léger avantage avec Léane David en seconde position. On est en troisième position avec maintenant Jacques Ondier qui est là tout près également. On est en quatrième position avec Warren Lévesque. Concurrents sont au début de la ligne opposée. Début de la ligne opposée, donc toujours à peu près les mêmes, Léane David, Loesa Ayerfouchard, qui sont à peu près ensemble. Jade Ondier qui est en troisième position actuellement, avec Warren Lévesque qui est en quatrième position. On est dans la ligne opposée et toujours à peu près les mêmes aux avant-postes maintenant, avec Loesa Ayerfouchard, avec Léane David, Jade Ondier en position d'attente, troisième position, Warren Lévesque en quatrième position, position d'attente également. On est nettement plus loin avec les autres maintenant, Valentin Leclerc notamment, avec également dans son sillage Titouan Sporli. Les concurrents sont dans le tournant final avec Loesa Ayerfouchard qui a toujours un petit avantage, Léane David en seconde position, avec en troisième position, on retrouve Jade Ondier et Warren Lévesque qui va tenter de à l'extérieur. On est à moins de 250 mètres, 300 mètres du disque final et toujours à peu près les mêmes. Loesa Ayerfouchard, Jade Ondier qui vient de mieux en mieux. Et la lutte est vive en tête maintenant pour la dernière difficulté avec Jade Ondier qui l'a franchi en tête. Loesa Ayerfouchard en seconde position. C'est Jade Ondier qui s'impose dans cette épreuve. Loesa Ayerfouchard en seconde position. Warren Lévesque est troisième. Léa David est quatrième. Valentin Leclerc est cinquième. Titouan Sporli est sixième.